Mes petites beautés, bonjour et bienvenue sur ce nouveau haul Shein. Vous savez que c'est un truc qui me stresse. Vous savez très bien que ça me stresse de faire des haul Shein. Parce que je sais que vous aimez trop ça et du coup, ça me met la pression. Là, j'ai l'impression d'être en date avec des milliers de personnes. Pour la peine, j'ai même mis du parfum, les gars. Les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul Shein. Ça faisait longtemps. Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué pourquoi. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Parce que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Logique. D'ailleurs, pour les nouveaux, bienvenue. Moi, c'est Islenita. On va passer du bon temps ensemble. Tu peux déjà t'abonner. Ouais. Je vais pas parler trop longtemps. On va passer aux essayages. On a beaucoup d'articles à essayer aujourd'hui. Des pépites. Des pépites. Pépitas. Je vous ai fait un avant-goût dans mon dernier vlog. Mais les gars, là, ça va être comme ça. Il y a beaucoup d'articles. Info rapide avant d'essayer les vêtements, je fais 1m58, en bas je porte du 36, en top pareil du 36S. Mais tout ça c'est des informations que je vous remets en description avec le lien des articles et les tailles que j'ai pris pour chaque article. Let's go, on essaye les premiers articles et je vais vous composer un outfit direct parce que là, on fait pépite plus pépite est égal outfit de ouf. Go! Les gars, pépite! Pépite, le jean est une pépite, le top est une pépite, les deux vont merveilleusement bien ensemble. À ça, j'ai ajouté une paire de talons Shein blanche également. C'est trop beau. Ça sent l'été, ça sent les vacances. J'adore. Ça commence, elle va dire j'adore à tous les articles. Pas de ma faute. Alors les gars, on est sur un petit corset orange, très beau et franchement, il fait quali. À part la fermeture, faut faire gaffe parce qu'elle a l'air un peu fragile. Mais là, la matière, d'habitude, quand je vois sur l'image un corset comme ça, je vais me dire, ok, t'attends pas à ce que ça soit quali, ça va être un petit peu, ça va pas être quelque chose de rigide. Et ben là, pour le coup, c'est rigide. Ici, c'est rigide. Il y a même des petites armatures à l'intérieur. J'aime tout dans ce corset, la forme, la matière, la couleur. Mais incroyable. Si seulement je pouvais mettre des tailles basses. Devant, il redescend comme ça. Je descends pas trop, sinon vous allez voir mon ventre, vous allez l'air. Regardez comme il est trop beau. Du coup là, je le mets à l'intérieur parce que parler dehors, ça fait bizarre un peu quand même. Mais ça fait bizarre, je préfère à l'intérieur. Avec ce jean là en tout cas. Alors le corset, il fait 15,99€. Je l'ai pris en taille S. Et le pantalon. J'adore ce pantalon. Et vu qu'il était super bien noté et qu'apparemment il épousait bien les formes, il est waouh en fait. Je crois que je l'ai pris en 36. D'habitude mes jeans, je les prends en 38. Et 38, ça m'allait un peu large. Du coup, là, je crois que je l'ai pris en 36. Ouais, c'est ça, je l'ai pris en S, alors que d'habitude, mes pantalons, je les prends toujours en M. Mais là, j'ai quand même pas mal maigri, donc je l'ai pris en S pour voir si ça allait bien m'aller. Et ça me va nickel. Et il est super confortable. Comme ça, je vais arrêter de squatter mon jean bleu à fente. Celui-là, il est fendu aussi et ça fait un espèce de bleu grisâtre vintage. J'adore. Ils appellent ça un jean boyfriend. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est juste un jean taille haute fendu. Au niveau des mollets, ça fait une coupe droite et après, du coup, il y a la fente. Nickel à mettre avec des talons ou des baskets. And I love it. Je voulais essayer un petit sac avec. J'essaye et vous me dites si vous aimez comme ça. Est-ce que j'ai précisé que le sac était une pépite? C'est une pépite. This is a work of art. This is a work of art. Regardez-moi cette beauté. Look at this beautiful beauté. Ça, ça fait partie des coups de cœur de ma commande. Je l'aime trop. En fait, là, je crois que c'est mes trois articles coups de cœur, en fin de compte. Là, le sac, je l'ai commandé sans spécialement m'attendre à un truc quali parce que voilà, c'est Shein. Mais ça va. Combien il coûte? Non, il fait 11 euros. Ça, c'est un sac à 30 balles chez Zara, genre. Apparemment, c'est un dupe de je ne sais quelle marque parce que j'y connais rien en marque. Mais il est trop beau. La couleur, la forme et regardez. Regardez-moi ces petites encloches super ringardes et vintage. Pour agrandir la lanière du sac. Merveilleux. Ça veut dire que tu peux même le... J'adore ce sac. Voilà, je le dis. Je vais le squatter à mort cet été. J'aime trop. Dès qu'il y a un brin de soleil, je le sors. Du coup, dites-moi si vous pensez que ça pourrait bien passer avec cet outfit-là. Je trouve que ça fait très pétillant, très punch, très vintage. Ça fait très années 70. Voilà, c'est ça. Ça fait années 70, ces couleurs-là. Surtout avec les chaussures blanches. Je garde ce jean-là et je vous montre d'autres tops. J'essayais de régler la lumière, mais c'est flashy, hein. C'est le top qui est flashy.
Vous m'excuserez, j'ai pas mis de soutien-gorge, mais au bout d'un moment, on est en 2022. Vous savez à quoi ça ressemble les seins d'une maman et d'une maman qui a allaité. J'adore ce top aussi. Ça va très bien avec le bleu du jean. Ça fait très... années 70. Très teenager, très ricain, pas les années anciennes là. Même avec les talons, vous savez que ça passe archi bien avec les talons. Mais j'ai grave des looks sympas là. Ça fait très Léana. Tu sors boire un petit verre comme ça en été, c'est très sexy en fait. Faut dire que ce carré court aussi passe avec tout. Coupez-vous les cheveux les gars. C'est un t-shirt qui coûte 5,99€ et je l'ai pris en taille S. On a un milliard de trucs à essayer, on va accélérer. Top suivant. Je suis une bolosse. Je suis en train de mettre le top, je me dis mais il est vraiment bizarre. Et en fait, je regarde la meuf et je vois que je ne l'ai pas mis correctement. Ah mais ça, c'est les trucs des jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Oh non, mais c'est cute. Bah ok, une fois que c'est bien mis, ça prend tout son sens. En fait, il faisait partie des tops que j'allais vous montrer en premier, mais quand je l'ai essayé, j'ai vu qu'il était trop grand, j'ai dit ok, je vais pas gâcher mon outfit avec ce jean pour ce top-là. Mais le modèle est joli. Le seul truc, c'est qu'il est quand même trop large. Et du coup, ça fait pas vrai bad bitch. C'est vraiment dommage parce que le modèle est vraiment joli. Je regarde s'il existe en XS. Écoutez, il existe en XS, mais même sur le mannequin, il fait grand. Genre, depuis tout à l'heure, j'ai pas enlevé mes talons. Est-ce que vous pensez que je suis confortable dedans? Je vous les ai même pas montrés. C'est une petite paire de talons comme ça, toute simple, fine. Les mules blanches comme ça, c'est grave mon kiff. On s'essaye encore un top, après on passe aux robes. Et on reviendra sur les tops après. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Là, on a un petit top blanc. It's all good. J'aime trop les tops comme ça, crop, comme ça, basique. Montant un petit peu avec un petit écriteau. C'est comme le vert. J'aime trop ce style de top à mettre avec des jeans, des baskets. Grave ma cam. Celui-là, il me va un peu large. C'est pas une matière bien coton. Ça fait un peu comme les tops de sport là. Mais je l'aime bien. On va passer dans la bad bitch chance. Venez, on essaye des maillots de bain. J'ai trois ensembles de maillots de bain, les trois s'annoncent être canon. Ouh, sexy! Punta Cana, Dubaï, Marrakech, vous avez capté. Vous connaissiez les trois pièces, nous voilà en présence d'un quatre pièces. Là, c'est un quatre pièces de beach party. Très sympathique, j'aime beaucoup. Je me vois bien porter ça dans un pays où je croiserai pas ma mère. Ouais. Il est super beau, je vous montre pas trop le derrière parce que c'est string, ça va être ça le seul défaut. La culotte, c'est pas une culotte taille haute, c'est les culottes string échancrées, hyper fines qui montent pas pour cacher ta bidoche et ton summer body en retard. J'aime bien, c'est léger, je pensais que ça serait plus un blanc cassé, mais c'est sympa aussi. L'ensemble, il fait 18€, moi je l'ai pris en M pour que la culotte elle puisse m'aller, bon elle me va pas quand même. Mais le pantalon, c'est très bien en M, parce qu'un S, ça m'aurait moulé et ça aurait pas fait joli, ça aurait fait trop vulgaire. Parce que là, tu crois que t'es pas vulgaire? C'est moi qui décide quand je suis vulgaire ou pas. Et là, je suis sexy bitch, je suis pas vulgaire, ok? J'aime beaucoup, j'ai hâte d'aller en vacances. Non mais ça y est, moi j'ai perdu 3 kilos, j'ai cru que j'étais une sirène. Je sais pas ce qui m'a pris de commander ça. C'est super beau, c'est super sexy, mais... Ouais, je calme toi Hélène. Je me suis cru sur les plages de Miami Beach, là. C'est un ensemble 3 pièces. J'ai ma culotte en dessous. Hein. Très sympa, très sympa. C'est un petit 3 pièces. Sexy. Ça, c'est trop drôle. On dirait des coques de noix de coco, tellement elles sont dures. Joli ensemble, hein. Joli ensemble, mais faut que je me calme, par contre. Je vois déjà Sam me faire les gros yeux quand il va regarder le haul. On essaye le dernier, après on passe aux robes. Ça, c'est joli. C'est encore en 3 pièces, mais avec une petite robe comme ça. Miskina. J'ai aucune vacance de prévu, mais je veux trop partir. Je vais partir. On essaye. J'ai l'impression de sortir d'un dessin animé, là. C'est trop cute. Du coup, c'est en 3 pièces. La culotte, encore une culotte très sexy, très... qui cache rien. Le top du maillot de bain, un petit maillot triangle. Et du coup, le par-dessus, une petite robe très fine, en dentelle, avec le petit détail, les deux boucles. J'aime trop. C'est super beau si je pars en vacances avec Sam ou quoi. Ça, c'est des trucs que je mets pas quand je suis en mode daronne. Quand je suis en mode daronne et que je pars à la plage avec Naya. Maillot de bain de pièces, pareo, schlags, il n'y a pas tout ça. Alors que quand tu es en date, quand tu es avec Bay, là, tu peux tout donner. On a fini les maillots, on essaye les robes. Waouh, les gars, cette merveille coûte 9,99€.
Elle est trop belle, elle moule trop bien. Le ventre, ça moule, mais c'est pas une des matières qui va faire ressortir ton ventre. Genre moi, j'ai mon ventre, il est là, mais c'est pas une matière qui va mouler en mode dégueulasse. Et tu sens que ça a été taillé en mode sexy. D'ailleurs, c'est Shein sexy. Elle est trop jolie. J'aime trop la couleur, longue, fendue. Bon, le dos nu, il est pas incroyable, mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est ajustable. Franchement, le dos, ils auraient pu faire un truc plus sexy. Mais elle est super belle pour une petite robe d'été en vacances. Parce que la matière, elle est super sexy, agréable et tout. Mais c'est pas une matière qui fait chic, tu vois. Ça fait plus petite soirée d'été. Mais j'aime beaucoup. Robe suivante. Ok. Ok, ils ont envie d'en montrer. Écoutez, je pensais pas que ça serait dos nu à ce point. Là, j'ai essayé d'enlever... J'ai rangé mon soutien-gorge vers l'avant, vous m'excuserez. Là, pour le coup, ça moule bien, bien, bien le ventre. Je me sens terriblement nue. En plus, là, on voit mes vergetures. Elle est super belle, mais je sais pas si j'oserais. Faudrait pas que je mette de soutien-gorge. Après, ça va mouler ma bidoche. Ici, ça montre mon petit pli de ma déformation. J'ai une hanche plus haute que l'autre. Et puis, ça montre les vergetures et tout. Non, pas validé. Là, il y a un ensemble vert que je voulais trop essayer. On essaye. Sans surprise, c'est trop beau. La couleur est belle, l'ensemble est beau, la matière est belle. Je savais que j'allais kiffer cet ensemble. Je me sens trop sexy dedans. J'aime trop quand c'est manches longues comme ça, un petit peu long. J'adore, 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 j'adore. Vraiment trop sympa. Prochaine soirée que je fais en mode date ou soirée ou je ne sais quoi, je mets ça. Du coup, je l'ai pris en S et ça fait 15,49€. Dans le sachet, il y avait ça. Il n'y a rien qui fait référence à ce nœud sur les photos quand je vois le mannequin qui la porte. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Encore une robe, je vous l'ai dit, j'ai pris plein de trucs sexy. Il y aura aussi un peu des trucs plus street, mais j'ai pris plein de trucs sexy parce que c'est bon. C'était l'hiver, c'était Covid, j'ai suffoqué. Là, c'est liberta. J'ai envie d'être sexy, j'ai envie de m'habiller bien pour sortir. Pff, ça va faire trop du bien. On essaye ça? Ça, sur le site, je pensais que ça serait un truc beaucoup plus quali pour le coup. Je pensais que là, ça serait de l'armature et tout. Ça ne l'est pas. Donc, on va voir ce que ça va donner porter. Alors, la petite robe simple, beige et tout. Je suis pas fan. Pas fan de la matière. Je suis pas fan du modèle. Ça fait vieillot. Alors que sur la modèle, ça faisait hyper sexy. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça ne met pas en valeur. Ça fait mémère. Il n'y a rien qui va. On fait une petite pause sur les robes et je vais essayer un pantalon que vous allez kiffer. Je l'avais en vert. C'est qui me l'a pris, wesh? Je sais pas. C'est un pantalon que j'avais en vert. Pantalon simple, pas de def. Cette matière-là, ils sont hyper confortables. Je les mets trop, le vert. À chaque fois que je le mettais, vous me demandiez les refs. Du coup, là, je l'ai repris en noir. On se l'essaye avec des petits tops. J'ai pris des petits basiques comme ça. C'est des lots de deux tops, très sexy. J'adore ce pantalon, il est moulant. Je trouve qu'il marque super bien la taille. Il moule bien les fesses. Il est pas de def en bas et je kiffe, genre vraiment pas de def. L'année dernière, je l'avais pris en M, j'étais fluide dedans. Là, je l'ai pris en S, comme ça, il me... Je l'adore. C'est grave un basique à avoir. Le top, petit top sympa, rien de folichon. Basique, classique, je pensais qu'il serait un petit peu mieux au niveau de la quali, plus stretch, mais il n'est pas hyper stretch, donc peut-être j'aurais dû le prendre dans une taille plus petite. Je vous le montre quand même en blanc. Vous savez quoi? Il est mieux en blanc. Genre en blanc, il est plus stretch. Il est comme je voulais qu'il soit, bien près du corps. Très sympa, de toute façon les deux je les aime bien, c'est juste que le noir il est un petit peu plus distendu. Alors que le blanc là, il colle bien. Quand on est très dénudé depuis tout à l'heure, je vais vous montrer un pull. Alors, là, on a un petit pull marron, tout simple, avec des écriteaux derrière. Cool, 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 cool. C'est un petit pull simple. J'en ai des mieux de chez Shein. Il est léger, donc ça va aller pour la saison printemps. Doux à l'intérieur. Voilà, petit pull noir, très simple, très stylé. Je le kiffe, hein. Je parle sans entrain parce que voilà, c'est rien de fou, mais j'aime bien. Avec le jean de tout à l'heure et une petite paire de baskets. Sympa. J'ai un petit top sexy à vous montrer. Oui, oui, c'est sexy. Aujourd'hui, c'est sexy. J'aime trop avec les baskets.
J'adore la couleur, il sent, hein. C'est pas fort, je pense que tu le laisses dehors une journée, c'est bon, ça sent plus, mais ça sent quand même un petit truc. Je suis un peu serrée dedans, je l'ai pris en S, mais je pense pas que je l'aurais pris en M, je pense que le M ça m'aurait baillé. Les tops comme ça, faut que ça soit bien près du corps. Là, il n'y a pas d'armature, pas du tout, c'est juste de la couture, et j'aime trop, je trouve que ça fait Xena la guerrière, je kiffe. Et pareil, je trouve que tout va avec ce jean, de toute façon, vous avez compris, je le kiffe. Je vais vous montrer les bijoux. Si je vous montre des bijoux, après on continue sur le reste. Celles qui me suivent, vous avez remarqué que je mets rarement des bijoux, mais là je me suis dit, j'ai envie de mettre des bijoux. J'ai envie de me mettre aux bijoux parce que ça peut grave accessoiriser une tenue, mais j'y pense pas en fait. Du coup, j'en ai commandé plein. J'ai pris grave des trucs en mode diams. Bref, vous avez compris le délire. Et j'ai même pris une ceinture. J'ai même pris une ceinture dans ce délire. J'ai collé. Je sais pas pourquoi il me prend. Il y a des trucs qui tombent là, je sais pas c'est quoi. J'espère que c'est pas toxique. Bref, j'ai pris une ceinture comme ça. Je sais absolument pas à quel moment dans ta vie tu en viens à mettre une ceinture comme ça, mais ça fait un truc bitchy quand même. Bien évidemment, c'est absolument pas une ceinture qui va tenir votre pantalon, hein. Bah, figurez-vous, j'aime bien. Ouais, des fois, j'aime trop des trucs bizarres, mais... Peut-être pas avec cette tenue, mais j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, dans nos petits colliers bling bling. Je vais pas l'attacher, mais vous avez compris le délire. Je vous jure, si tu faisais une photo comme ça, là, ça pèterait. C'est trop beau. J'aime trop. Bref, ce petit collier-là, ce petit bracelet-là. Aux States, elles ont des vrais diamants comme ça. Moi, j'ai des diamants à 2 balles pièce. Ça, c'est quoi? Ensuite, j'ai pris plein de boucles d'oreilles en mode anneau et tout. Il y a celle-là. Celle-ci, un petit peu plus chicos. Ça, c'est une chaîne. On a été coupés. Je sais plus ce que je disais, mais je devais dire que j'aime trop ces chaînes. Ah, je disais surtout que j'espère qu'un jour, j'en aurai des vrais. Ensuite, dans les petites bricoles, j'ai repris des ongles. Like this. Parce que je me fais les ongles toutes seules, mais des fois, j'ai la flemme. Donc, ceux-là, ça sera très bien. Vous les mettez soit en mode press-on, parce qu'il y a les petites tablettes à l'intérieur. Soit vous les collez avec une colle. Moi, je préfère quand même avec la colle. Il nous reste encore ça à essayer. Et après, je vous jure, c'est fini. Je vais vous montrer ce pantalon-là. Et ensuite, on va s'essayer les dernières robes. Petit pantalon pas de def. Il est super long. Là, il me traîne par terre. Il faudrait que je le coupe quand même. Parce que moi, ça me dérange pas quand... Ça touche un peu par terre, mais là, ça traîne vraiment. Mais sinon, à part ça, j'aime trop. Je kiffe trop ce délire peau d'éléphant façon. La couleur, j'aime bien. Je trouve que ça passe super bien avec mes baskets. J'aime bien. Je l'ai pris en M, je sais pas pourquoi. J'aurais pu le prendre en S et je pense que j'aurais été mieux. Ça aurait moins fait ces plis-là. Là, les gars, je vous fais un point. Il reste des robes, des sacs et ensuite plein d'accessoires pour celles qui aimeraient faire leurs ongles toutes seules. On s'essaye une robe. Une petite robe noire, un petit peu ouvert dedans. Ce petit truc-là qui fait vraiment sexy. Je trouve que ça donne du volume au sein pour celles qui ont des petits seins. Ici, j'aime bien. C'est bien stretch. Ça me moule bien. Je crois que je l'ai pris en S. Et j'aime bien. C'est un must-have. Franchement, ça, tu vas partout. Tu fais soirée, tu fais resto avec Bay ou avec tes copines. C'est vraiment une tenue sympa, passe-partout. Sexy, chic. Il est trop cute, ce vert. Le sac, ça va. Faut voir ce que ça donnera après 3 sorties, mais il n'est pas tout mou comparé à un autre que j'ai reçu dans la même commande là. La couleur est super jolie, j'adore les petits détails dorés. D'habitude, j'aime pas trop le doré, mais là, ça passe super bien avec ce vert là. Je le trouve super beau. À l'intérieur, il y a une petite chaîne dorée. Super beau celui-là. Pour rester dans le vert, on va s'essayer cette petite robe. Je suis vraiment une clocharde. Du coup, j'ai vu les fils, je croyais qu'ils s'attachaient comme l'autre, mais pas du tout. Ça s'attache normalement. Super jolie. La matière, la couleur et mention spéciale pour les petits froufrous. J'adore. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vraie couleur à la caméra, mais franchement, elle est trop trop jolie. Avec ces talons-là, en plus, ça passe super bien. Rien à dire. Je kiffe. Ouh. Je pensais pas. C'est un truc de fou. C'est la dernière robe sur laquelle j'aurais misé. Surtout quand je l'ai déballé au vu de la matière et tout. Mais waouh, en fait, une robe noire comme ça, satin, débardeur,
Tout le monde doit avoir ça dans son armoire. Après, faut pas tirer trop dessus. Hein. Là, j'ai tiré un peu, j'ai entendu un petit crack. Faut faire gaffe, c'est pas une quali de fou. J'ai l'impression que c'est celle qui me va le mieux pour l'instant. Trop belle. Là, il y a un ensemble que j'avais oublié. Je vais vous le montrer tout de suite. Kiff, mais kiff. J'avais dit que j'allais la repasser parce qu'elle était sortie toute froissée. Mais même comme ça, on arrive à voir son potentiel. C'est un ensemble. C'est magnifique. Faudrait éventuellement que je scotche mes seins pour pas qu'on voit trop la cassure ici. Mais j'aime trop. Je suis méga hyper fan. J'aime trop, 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 trop. À quelle occasion je mets ça, je sais pas. Parce que c'est trop court pour faire un resto chic. Un resto entre filles. Ou une soirée en boîte. J'aime trop. Franchement, je kiffe l'ensemble. Je kiffe trop. En plus, on voit mon petit tatou. J'en profite, je vous montre le dernier sac. This one. C'est le Balenciaga. Donc ouais, vous avez reconnu la forme, c'est Balenciaga. Même le modèle, c'est Imitation. Après, je suis déçue. Je pensais que le sac, il ferait plus quali. Plus dur, plus rigide. Mais pas du tout. Là, regardez. C'est hyper, hyper mou. Et même la lanière, hyper mou. J'ai déjà eu un sac comme ça. Vous mettez une ou deux fois et après, finito pipo, quoi. C'est dommage. Robe suivante. Pour aller où? Vous savez que j'aime bien ce genre de robe, mais pour aller où? Je suis à deux doigts de twerker et qu'on m'envoie des billets $1, là. Franchement, c'est sexy, moulant, long, tout ce que j'aime, mais... je la mettrai, bien sûr. Mais ça fait très personnage des X-Men. Mais j'aime bien. Si on s'essayait la dernière tenue. Ouais, hein. J'adore. C'est super beau. C'est super sexy. C'est grave chic. Là, ça me donne envie de partir à Santorin avec mon mec, tu vois. Et de passer des soirées de folie. Trop beau. Je kiffe de ouf. Ce petit côté ouvert, décolleté ici, la petite boucle. En plus, on voit mon petit tatouage. Et puis, je le dis encore une fois, le carré, ça passe vraiment avec tout. En mode chic, en mode street, en mode sexy, en mode beach, tout ce que tu veux. Le carré, ça passe. Trop, trop belle. Trop, trop, trop belle. Je vais rester dans cette tenue et vous montrer les accessoires que j'ai commandés pour les ongles. J'ai commandé une lime à ongles, une petite gomme pour faire les French, des petits embouts pour la ponceuse, une pince pour faire les cuticules, des petits pinceaux pour le nail art, des petits papillons, tout plein de trucs que j'étais trop contente de trouver sur Shein et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo ongles plus détaillées. Mes petits loups d'amour, c'était les derniers articles de notre haul Shein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi quelle était votre tenue et vos articles préférés. Moi, je vais vous remettre toutes les informations avec les liens en description. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Et si t'es arrivé sur la chaîne en n'étant pas abonné, il n'est pas trop tard. Just do it. Avant de vous laisser, un petit mot. J'hésitais un petit peu à arrêter ou non les hauls Shein, mais je sais que ça sert à beaucoup de personnes. À moi la première, j'ai commencé les hauls Shein dans mes débuts sur YouTube parce que je kiffais le fait de pouvoir avoir plein d'articles différents, tendances, suivre la mode et tout ça à petit prix. Je sais que pour vous Shein aussi, c'est le moyen d'avoir plein de jolies pièces à petit prix, petit budget. Surtout quand on est jeune ou même quand on travaille, c'est pas facile de s'en sortir tout le temps. Et aujourd'hui, on peut pas ignorer l'impact sur la planète que consommer comme ça a. On peut pas ignorer tout ce qui se passe et je vous invite juste en quelques mots à essayer de consommer mieux sur Shein. Voilà, moi je vous ai fait un gros haul où je peux vous montrer plein d'articles. Quand vous commandez, essayez de ne pas prendre des trucs trop inutiles. Je ne vais pas vous dire de ne pas consommer Shein et les vêtements pas chers. Dans la réalité, ce n'est pas aussi facile de consommer différemment, mais on peut le faire plus raisonnablement. Je vous invite à le faire. Essayez de réguler un petit peu vos commandes en commandant par exemple une fois par saison et prendre que des choses qui vont vous servir. Pas comme j'ai pu le faire, prendre des articles juste pour faire des photos. Bref, je ne vais pas faire la Brigitte Bardot parce que je ne suis absolument pas la mieux placée pour parler de ces sujets-là. Vous avez plein de vidéos super intéressantes si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet. Il est l'heure pour nous de se quitter les loulous. Si c'est pas encore fait, tu me follow sur Snapchat, sur Instagram. C'est là-bas que je suis le plus active. Ici au quotidien, là pour faire mes meilleures photos. Et en attendant la prochaine vidéo, on se fait plein de bisous d'amour.